بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors je vous salue par les salutations de l'islam. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on m'a demandé de se présenter, donc je vais me présenter. Je m'appelle Mourad Hamza. Je viens d'Aix-en-Provence, j'ai une double formation, formation charia, une formation management gestion, gestion financière. Je suis imam khatib à la grande mosquée d'Aix-en-Provence. Je suis aussi conférencier et professeur dans différents instituts dans le sud de la France. On va passer, inshallah, deux jours ensemble et on va faire, inshallah, un voyage à travers le Coran. Avant de commencer, j'ai juste quelques questions à vous poser. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Répondez-moi, n'ayez pas peur. Hein? C'est quoi ça? C'est un mushaf. Ça, c'est pas le Coran. Hein? On est bien d'accord. D'accord, ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est un kitab, c'est un livre. Le Coran, il faut que tu l'ouvres et que tu commences à lire. C'est comme l'interrupteur qui est là-bas. Si vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, vous pouvez dire que vous avez de l'électricité, mais vous n'avez pas de lumière. Et en fait, c'est la même chose. Si vous avez un livre comme ça, dans votre coffre de voiture, la boîte à gants de voiture, ou à la maison, ou dans votre bibliothèque, il ne servira strictement à rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que le Coran, il faut l'ouvrir et le lire, et essayer de comprendre. C'est le seul livre au monde que quand tu lis, tu as des hasanats. Tu dis « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », tu as 190 hasanas. C'est le seul livre au monde. Il n'y a pas un autre livre au monde qui peut te donner des hasanats pour chaque lettre. Ok. Deuxième question. D'après vous, sur qui est descendu le Coran? Levez la main et répondez-moi. Sur qui est descendu le Coran? Le meilleur des hommes? Non. Attendez, la sœur elle parle, vas-y, dis-moi. Il a été révélé au meilleur des hommes et il est descendu sur l'humanité. Il est descendu sur l'humanité et il a été révélé au meilleur des hommes. Il a été révélé au meilleur des hommes, oui. Descendu sur l'humanité, non. Mm-hmm. Allez. Dites-moi, sur qui est descendu le Coran? Yallah. Sur l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, c'est l'wasita, c'est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, comment on dit le prophète en arabe? On dit Rasoul. Et Rasoul, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été envoyé pour nous transmettre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous transmettre. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, sur qui est descendu le Coran? Sur? Ah, vous avez vu? Barakallahu fik. J'ai déjà posé cette question l'année dernière. Sur qui est descendu le Coran? Tant que vous me dites sur l'humanité, sur le prophète, sur les compagnons, sur ceci, sur cela, vous avez tout faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous extrayez de l'équation. Quand vous dites sur l'humanité, sur le meilleur des hommes, oui, et vous êtes où? Et nous sommes où? Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » Il s'adresse à qui? Ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux compagnons? Si quand tu lis ça, tu ne te sens pas concerné par le message, tu n'as pas compris le Coran. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu »« Isra », c'est-à-dire « tends l'oreille », parce que c'est un ordre ou une injonction ou une interdiction qui va venir. Et l'ordre qui est dans le Coran ou l'injonction qui est dans le Coran, ça concerne qui? En fait, posez-vous la question. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Toi, l'insan, vous, la demoiselle, la dame, moi, le monsieur, qui suis-je?
qu'est-ce que vous allez me dire? Je suis une telle, fils de telle ou la fille de telle, je m'appelle comme ça. Oui, mais repose-toi la question, pose-toi et dis qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? Comment je suis arrivé? Et quel est mon rôle? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, si vous vous posez cette question existentielle, le Coran vient pour vous répondre à cette question. Et c'est pour ça que celui qui n'a pas le Coran, qui n'a pas compris le Coran, il est toujours en conflit avec lui-même. Il ne comprend pas pourquoi il est là. Il a ramassé beaucoup d'argent, il a fait... Mais ce n'est pas le but d'être ici, sur Terre. Ce n'est vraiment pas le but. Comme ça, attends-là. Vous voyez? Est-ce que le but d'être sur Terre, c'est, je ne sais pas moi, d'avoir un grand poste, d'avoir une belle maison de... Oui, et après? Le Coran, il vient nous expliquer l'origine de l'humanité, où est-ce qu'elle va aller, l'humanité? Et où est-ce qu'on va aller, nous, en tant qu'insan? « Ya ayyuha al-insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan, famulaqiyah. » Tu t'efforces, ô toi homme, tu t'efforces à rencontrer ton Seigneur et tu vas le rencontrer. Comment on va rencontrer le Seigneur? Tout ça, on va le voir, Inch'Allah. Vous allez voir que le cheminement vers Dieu, ce n'est pas un chemin comme ça, rectiligne. Non. Le cheminement vers Dieu, c'est un chemin, c'est une élévation à chaque fois. Et on va parler de cette élévation à travers le Coran, vous allez voir, Inch'Allah. Ok? Je vais raconter une histoire. Celui à qui, chez qui j'ai appris le Coran, il est décédé aujourd'hui, paix à son âme, la yarhamou, comme on dit, il nous racontait une histoire qui se passait dans les années 50. Il nous disait, il y avait une voisine à eux, et son fils était parti, je ne sais pas, en guerre ou à l'étranger. Et il écrivait une lettre à sa mère. Elle ne savait pas lire. Elle venait le voir, lui, notre prof, notre cheikh, elle venait le voir et elle lui disait, lis-moi la lettre. Il disait, quand je prenais la lettre, je commençais à lire. Je prenais la lettre, je commençais à lire. Moi, je lis et elle, elle pleure. Moi, je lis ce qu'il raconte à son fils et elle, elle pleure. Et quand j'ai fini, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie la lettre et elle la met là. De temps en temps, elle la ressort, elle vient le voir, notre cher, elle lui dit « relis-moi la lettre ». Et lui relit la lettre. Et elle, elle pleure de nouveau. Vous savez d'où vient la lettre? De la personne la plus aimée de cette dame, son fils. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé une lettre du haut des sept cieux. Le problème, c'est qu'on n'a pas mesuré la valeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. La valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le problème, pourquoi l'insan yashrud, pourquoi l'être humain, il dévie du chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fixé? Parce qu'il ne comprend pas en fait, il ne mesure pas. Comment ça se fait qu'il ne mesure pas? Regardez, vous avez un enfant, vous avez entre les mains une tablette de chocolat, et il a une pièce en or. Si vous lui changez la pièce de chocolat, la tablette de chocolat contre la pièce en or, il vous la donnera? L'enfant, il vous la donnera? Oui, il vous la donnera. Pourquoi il vous la donnera? Pourquoi il vous la donne, l'enfant? Pourquoi il vous donne la pièce d'argent, la pièce d'or, et vous lui donnez la tablette de chocolat? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Et pourquoi nous, les êtres humains en général, on a changé, on a échangé, l'akhira, la vie là-bas, chez Allah subhanahu wa ta'ala, contre la vie ici-bas. Parce que tout simplement, on ne connaît pas l'akhira. J'ai tendance à expliquer dans les cours, quand on explique la valeur de la vie ici-bas, pour ceux qui font encore des mathématiques ou là, qui ont encore des... Si je vous dis x sur plus l'infini, ça représente combien? Quel que soit le chiffre x, hein, 1000, 10 000, 1 milliard, quel que soit le chiffre, sur plus l'infini, ça représente combien? Allez, il y a des matheux ici? Comment? Inférieur à zéro? Ça va tendre vers zéro. Ça va tendre vers zéro. Égal zéro, tout simplement. Tout simplement. Regardez, imaginez le chiffre. J'ai 1000 pommes que je divise entre 1000 milliards de personnes. Combien ils prennent?
Combien ils prennent, chacun? Zéro, rien, zéro. Vous savez ce que c'est le X, ici? Le X, c'est notre vie. Combien on va vivre? 80? 100? 120. Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit que tu vas vivre 120, ici-bas. Vous savez ce que c'est, plus infini? C'est la vie chez Allah. Une vie éternelle. Que représente notre vie ici-bas, le X, par rapport à la vie chez Allah? Zéro. Rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit « Afala ta'aqiloun » n'avez pas une raison, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne réfléchissez pas. Ce que vous vivez ici, c'est éphémère. Mais vraiment éphémère. On va revenir tout à l'heure sur... vous allez voir comment le Coran, il nous explique notre façon de vivre et comment on doit vivre. Il nous explique la raison de notre vie ici. La raison de notre vie ici. Ça, c'est très important. Et si vous comprenez ça, vous allez voir que vous n'avez pas le même rapport, vous n'aurez pas le même rapport avec le Coran. Sidna Moussa, alayhi salam, on va le voir, inshallah. Sidna Moussa, Kalimullah, il a parlé avec Dieu, il a parlé avec Allah. Et quand Moussa, sur le buisson ardent, que vous trouvez aussi dans les anciennes écritures, il revient de Madian en allant vers l'Égypte avec sa femme. Et il voit un buisson ardent, il voit une lumière. Il va vers la lumière, et là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui adresse la parole. Donc il monte le mont du Tour, le mont du Sinaï, et là il va parler à Allah. Et Allah, à un moment, il lui dit, qu'est-ce que tu as à ta droite, wa ma tilka bi yaminika ya Moussa? Qu'est-ce que tu tiens à ta main? Allah, il sait ce qu'il a à la main. Et Moussa, alayhi salam, il lui dit, ya asai, c'est ma canne. Quand tu dis ya asai, ma canne, ça veut dire quoi? Je l'ai coupé, je l'ai taillé à ma taille. Si je suis à 1m80, j'ai une canne. Si je suis à 1m50, j'ai une canne à ma taille. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, elqiha ya Moussa. Vas-y, jette-la. Et Moussa, il la jette. Et qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient un serpent qui mange tout ce qui est autour. On peut s'arrêter là en disant cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il rend la canne un serpent. OK. Or, les ulama vous disent, dans l'explication, enfin dans le tadabbur, dans la méditation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une leçon à Moussa que dans cette vie, tu ne possèdes rien. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose que tu ne possèdes pas et que tu penses posséder, c'est ton corps. Tu ne gères rien. Demain, tu es malade, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ton corps, tu te vois vieillir tous les jours et tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vois les cheveux qui tombent, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vois les rides qui s'installent et tu ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Allah. Et Allah, il en fait ce qu'il veut. Allah, il a fait ce qu'il voulait avec la canne de Moussa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand tu dis c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta voiture. Et d'ailleurs, le corps, amen, Allah subhanahu wa ta'ala, il te le donne, juste pour un moment donné, dans ta vie, juste pour un moment donné, l'umra, c'est comme un appartement que tu loues pendant un certain temps, et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend sa amana, il reprend le ruh, l'esprit qu'il y a dedans, et le corps, il vient de terre, et reviendra à la terre. Le Coran, c'est ça. Le Coran, il t'apprend pourquoi tu es sur terre, et quelle est ta valeur sur terre, et pourquoi tu es sur terre, et qu'est-ce que tu dois faire. C'est ça, le Coran. Et vous allez voir, nous allons, Inch'Allah, regarder comment le Coran... Est-ce que vous savez quelle est la première sourate qui est descendue? Allez. La première sourate? Iqra, très bien. La deuxième? Hein? Non. Vous savez? Moi, je vais le noter, on reviendra après sur ça. La première, c'est Iqra. Moi, je vais écrire en français. La deuxième, c'est quoi? C'est Noun. Noun wal qalami wa ma yasturun. Et la troisième? La troisième, c'est le Muzammil. Ouais. La quatrième? Vous savez ce que c'est, la quatrième? Al-Mudaffir. Vous savez quel est l'ordre là-dedans? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala descend ça?
Vous avez tous un mushaf. Ok. La première parole, on a dit c'est Iqra. Iqra, ça veut dire quoi? Iqra, ça veut dire quoi? D'accord. Ok. Beaucoup de gens disent Iqra, ça veut dire lire. Alors, la première chose, il faut corriger les mustalahat. Et après, je vous dirai comment on crée une science, comment la science se crée. Le mustalah l'awwal, Iqra, veut dire récite. Mais qara'a, en arabe, ça veut dire jama'a. Ça veut dire quoi, qara'a? Ça veut dire il a rassemblé. Quand vous rassemblez les lettres, vous en faites un mot, vous rassemblez les mots, vous faites une phrase, et des phrases, vous faites un paragraphe et un sens, vous donnez un sens. Donc qara'a, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu rassembles toute cette création-là que tu vois, parce que le prophète, il était en méditation, et que tu l'attribues à qui? Tu l'attribues à l'Wahid, à l'Éternel, à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq, le Créateur. C'est ça. Ok. Si vous regardez Noun, surat Noun. Quelqu'un peut me lire les premiers mots dans Noun? Noun, wal-qalami wa ma yasturun. C'est quoi le qalam? La plume. Et la plume, c'est la première chose qu'Allah il a créée. Et il y a dit « écrit ». Il a écrit la destinée des cieux et de la terre et tous ceux qui vont habiter les cieux et la terre. Alors le premier mot, c'est quoi? On a dit dans le Coran, c'est quoi? Non, « Iqra ». Ensuite, « Noun ». Ensuite, la troisième, on a dit, c'est quoi? Je l'ai noté. « Muzammil ». Quelqu'un peut me lire les premières lettres, les premières ayats de « Muzammil » Allez, qui va me lire? Là. Comme une layla illa qalila. Comme une layla illa qalila. Nisfahu aun kosminhu qalila. Auzid alayhi, waratili al-Qur'ana, tartila. Inna sanulqi alayka, qahulan thaqila. Mais j'aimerais bien que vous le voyez. Parce que si je vous le dis moi, j'aimerais bien que vous regardiez. Le Muzammil, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que vous ouvriez le mushaf, que vous regardiez comment c'est écrit, qu'est-ce qu'il dit. Ah, vous allez devoir tourner les pages. Hein? Vous allez devoir tourner les pages. Beaucoup, hein. C'est quoi ça? C'est Tawhid. Non, pardon. Moudafir, voilà, Muzammil, il est là. La 73. Lisez, quelqu'un peut me lire? Allez, les enfants, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Vas-y, lis, s'il te plaît. Il où le. Tiens. Ouais, lis en français, lis. Eh, mais c'est pas possible. Vous lisez le Coran, vous avez des hassanats, vous savez. Bah, lisez. Ô toi qui t'enveloppes dans ton manteau, lève-toi pour couvrir l'accent partie de la nuit, ou seulement la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et pour réciter avec soin le Coran. Oui, continue. Mais qu'est-ce qu'il dit? Continue. Car nous allons bientôt te transmettre des paroles d'une exceptionnelle gravité. D'accord, une parole, des paroles lourdes. Alors. Le masahif que vous avez, vous allez voir que vous n'avez pas tous la même chose. Vous n'avez pas tous la même chose. Et ça aussi, on va en parler tout à l'heure, quand on va parler de la compilation du Coran. Pourquoi vous n'avez pas tous la même chose? Parce que la traduction, traduire, c'est trahir. La traduction, chacun, il donne un sens au terme, et selon le terme qu'on choisit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en arabe. Et quand, si vous êtes d'une autre culture que la culture arabe, vous devez apprendre le minimum la Fatiha en arabe. Vous ne pouvez pas dire « Thanks God, merci mon Dieu, louange à Dieu ». Non. « Alhamdulillahi rabbil alamin ». Vous devez commencer le Coran comme ça, le Fatiha comme ça. C'est très important. On va le voir tout à l'heure quand on fera les Écritures et la compilation du Coran. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il dit dans le Muzammil? « Qum il-layl »« Lève-toi la nuit »« Lève-toi la nuit et prie »«
Abreuve-toi de quoi ? De la source divine. Pourquoi ? La parole est lourde. Tous les philosophes, ils vous disent que la vérité est lourde à porter. Tu ne peux pas porter. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a toujours une opposition, une adversité entre le bien et le mal. La vérité est lourde à porter. Tu ne peux pas porter la vérité et ta personne en face. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde comme ça. Donc il va te descendre une vérité lourde et tu dois la porter. Pour la porter, il te faut de l'énergie. Et cette énergie, tu ne peux la puiser que de la source divine, de la lumière divine. C'est ça ce qu'il lui dit. C'est ça ce qu'il lui dit. Al-Mudathir, lisez la 74, qu'est-ce qu'il lui dit après? Lisez. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. C'est ce qu'il lui dit. Ça veut dire quoi, قم فأنذر? Lève-toi. C'est ça, hein? C'est ça ce qu'il lui dit. Pardon, chargez mon stylo. C'est ça ce qu'il lui dit. D'accord. Vous avez compris ou pas le sens? Pas encore? Alors regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qui descend, c'est quoi? Iqra. La deuxième chose qui descend, c'est quoi? Al-qalam. La troisième, c'est quoi? Qiyam al-layl. Lève-toi la nuit. Approuve-toi du Coran. Et la quatrième, là maintenant, quand tu as fait ces trois étapes-là, là maintenant, tu peux aller vers l'adversité et tu peux aller affronter la société. Qum fa'andhir. On vous dit, ah, ça c'est l'inimitabilité du Coran. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Comment on appelle ça? Palindrome. Rabaka fakabir. Ça se lit dans les deux sens. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va voir l'inimitabilité du Coran. C'est extraordinaire. Vous voyez? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend le Coran, c'est pas comme ça, par hasard. Iqra, nun, c'est ça, hein? Répétez après moi. Qu'est-ce qu'il y a? Iqra, et après? Nun, et après? Muzammil, et après? Mudathir. C'est ce que ça veut dire? Avant de commencer toute chose, vous devez apprendre. Avant de commencer quoi que ce soit, vous devez apprendre. Et d'ailleurs, vous avez vu, on fait des études jusqu'à 22 ans, 23 ans, 24 ans, et ça ne s'arrête jamais. Ça, oh là là, qu'est-ce qu'on nous apprend quand on va à l'école? On nous apprend à affronter la vie. Alors, je vais vous dire autre chose. Dans le Sud, on fait des séminaires sur le mariage. Et le séminaire sur le mariage, c'est pas « faut se marier, il faut louer les ladotes », c'est pas ça, hein. Comment apprendre à vivre avec l'autre? Je suis une femme célibataire et je vais avoir un homme dans ma vie. Comment j'apprends à vivre avec lui? Je suis un homme célibataire, je vais avoir une femme dans ma vie. Comment apprendre à vivre avec elle? Comment tu vas vivre avec quelqu'un pendant 30, 40, 50 ans, inchallah, et tu n'as pas pris de permis pour vivre avec elle ou vivre avec lui? Tu ne sais pas comment faire et tu rentres dans le conflit. La première chose, vous ne devez rien commencer. D'ailleurs, en Malaisie, je crois, ils ont remarqué que le divorce était très élevé. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un diplôme de mariage. Si tu n'as pas le diplôme de mariage, tu ne peux pas te marier. Donc tu vas faire une formation, on t'apprend ce que c'est le mariage, et quand tu as le diplôme, ils ont réduit, je crois, de 80% le nombre de divorces. C'est très simple, hein ? Il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas être célibataire, tu sors tout le temps, tu es tout le temps avec tes amis, quand tu te maries, c'est la même chose. Non. Quand tu te maries, tu sais, tu ne connais pas les besoins de ta femme, et la femme ne connaît pas les besoins de son homme. Vous voyez, il y a des choses... Donc la première chose, c'est quoi? Iqra. Il faut que tu apprennes. La deuxième chose, c'est quoi? Al-qalam. Il faut que tu notes. Parce que si tu notes pas, ça disparaît. Mais le qalam, ça a un sens de planification et de préparation. Donc tu apprends la science, tu planifies. Tu planifies. Vous allez voir dans le Coran comment Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de planifier. Vous allez voir. La troisième chose, c'est quoi? Il faut que tu aies de l'énergie. Il faut que tu aies de l'énergie à travers le Coran. Et comment on peut avoir l'énergie à travers le Coran? On va le voir aussi. On va le voir. C'est comprendre comment tourne ce monde. Comprendre c'est quoi le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'énergie. Et l'énergie, tu ne peux l'avoir que lorsque tu es en intimité avec Dieu. Tu es en intimité avec Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit « lève-toi la nuit ». Pourquoi? Parce que la nuit, quand tu es tout seul et que tout le monde dort, tu ne peux pas avoir une autre relation autrement qu'elle soit sincère, en fait. Ta relation avec Allah, quand tu es tout seul, à minuit, à 1h, 5h du matin, quand tu te lèves à 5h du matin, Qiyam al-layl, c'est ça, hein.
Alors n'imaginez pas qu'au Qiyam al-Layl, tu commences à 11h à faire la prière jusqu'à 6h du matin. C'est pas ça. Hein. Okay, c'est pas ça. C'est pas ce que faisait le prophète. Le prophète, il dit le troisième tiers de la nuit. Quelle heure il est sobh? À 6h? Ok. Tu te lèves à 5h. Et tu fais 2, 5h30. Tu fais 2, 4 à 4. Mais tu es en intimité avec Dieu. Tu es en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas imaginer l'énergie qui descendra sur toi. Tu ne peux pas imaginer la sérénité qui descendra sur toi. Mais tu sais, pareil, on va le développer, Inch'Allah, dans les deux jours. Quand tu as appris ça, tu t'es abreuvé du Coran. Là, maintenant, alors, tu as appris, tu as la science. Vous avez vu combien de fois... Je vais vous poser une question. En islam, la femme, en héritage, elle touche la moitié que l'homme. On est d'accord? Répondez-moi, on est d'accord? On est d'accord? On est d'accord ou pas? Tu es d'accord? Qui n'est pas d'accord? Comment? Il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord. Pardon? D'accord, ok. Ok. Si c'est des frères et sœurs, oui, elles touchent la moitié. Si ce n'est pas des frères et sœurs, ça dépend des cas. Ok. La femme, elle ne touche pas la moitié de l'homme. Et vous savez ce que c'est, ça? Iqra. Iqra. Comment voulez-vous que nous, on transmet aux autres ce que nous ne savons pas sur notre religion, sur notre foi? Allah, il n'a jamais dit que la femme, elle prend la moitié de l'homme. Ce que dit la sœur, c'est tout à fait vrai. Ce que dit la sœur, c'est tout à fait vrai. J'ai une introduction, elle est longue, notre introduction, mais ce n'est pas grave, il faut qu'on comprenne. Je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas en Belgique chez vous comment c'est, mais regardez un défunt qui est quelqu'un qui est décédé, un défunt. Il a laissé un frère. Il a laissé une mère. Il a laissé une épouse. Et il a laissé deux filles, F1, F2. Comment on partage selon le Coran? Je vais vous le dire. La mère, elle est sacrée en islam. Puisqu'il y a des enfants, elle va prendre un sixième. L'épouse, puisqu'il y a des enfants, elle va prendre un huitième. Les deux filles, elles prennent deux tiers. Et le frère, il va prendre le reste. Et on fait une équation. Un sixième plus un huitième, plus deux tiers, plus R égale 1. C'est ça l'équation. Et donc, on va trouver le dénominateur commun. C'est quoi le dénominateur commun? C'est 24. 4 sur 24, plus 3 sur 24, plus 16 sur 24, plus R égale 1. R égale combien? 4 plus 3, 4 plus 16, ça fait combien? 20. 4 plus 7, ça fait 20, plus 3, 23. Donc, 23 sur 24 plus R égale 1. Donc, R égale 1 sur 24. Donc, la mère, elle prend 4 parts. On divise ce qui reste, on divise l'héritage en 24. La mère, elle prend 4 parts. L'épouse, elle prend 3 parts. Les deux filles, elles prennent 16 parts. Et le frère, il prend une part. C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est un homme. Donc, vous avez vu que vous avez tout faux. Et quand quelqu'un qui n'est pas musulman, il vous dit « Chez vous, l'héritage que vous imaginez, la femme prend moins !» C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Bon. Il y a plein d'exemples, mais je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite. On a encore le temps pour aborder ces choses-là. On est juste dans l'introduction. Hein. On n'a pas encore commencé. Hein. Okay. On n'a pas encore commencé. Donc, la première chose, c'est quoi? Iqra. Si tu n'as pas Iqra, tu ne peux pas affronter la société, tu ne peux pas connaître toi-même. Et je vous ai posé une question et tout le monde est tombé dans le panneau. Ah, si ça peut vous rassurer, je passe dans les mosquées en France, personne ne sait. Surtout ça, personne ne sait. Alors que le prophète, il dit, ta'allamu al-fara'id, fa'innaha nisfu ad-din. Apprenez le fara'id, c'est quoi le fara'id? Le fara'id, c'est les obligations, mais le fara'id, c'est ilmu al-mawarith. Parce que c'est la moitié de votre foi. Et tous les conflits familiaux, ça tourne autour de ça. Et pourquoi ça tourne autour de ça? Parce qu'on ne sait pas. Et parce que nous n'avons pas de lien avec le Coran. Nous sommes attachés à la terre. L'être humain,
En tant qu'homme, nous sommes composés comment ? De terre, d'argile et d'esprit. Rouh. Rouh, il vient d'où ? Et l'argile ? Et le problème, c'est que l'être humain, il s'attache à l'argile. Il ne veut pas s'élever. C'est ça le problème. Vous voyez ? Alors, première chose, c'est quoi ? Iqra. Deuxième chose, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Qalam. Il faut que tu planifies. Il faut que tu mettes en code. Il faut que tu gères. Il faut que tu écrives. Si tu ne fais pas ça, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Il faut que tu aies un agenda. Ok ? Oui, Khalid. Il y a un bruit d'oiseau ? Ok, barakallahu fik. Ok, deuxième chose, on a dit la planification. La troisième, c'est quoi ? Il faut que tu aies ce lien avec Allah. Si tu n'as pas ce lien, et le lien, on va l'expliquer après aussi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir un lien avec lui ? Pourquoi ? Pourquoi le lien te renforce ? Pourquoi le lien, ça te donne une force, la force d'une montagne ? Pourquoi ? Pourquoi sihr haram ? Pourquoi la sorcellerie, c'est interdit ? Ben, tout ça, c'est lié au lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On verra après, Inch'Allah. Et la dernière chose, on a dit, c'est quoi ? Ya ayyuha al-mudaffir, qum fa'andir. Affronte les gens, affronte la société. Dis-leur qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Et le rendez-vous avec Dieu, celui qui ne l'a pas préparé, c'est un châtiment éternel. Vous voyez ? Bon. On va voir tout à l'heure, Inch'Allah, il y a le Coran, c'est... D'ailleurs, quand les frères m'ont contacté pour préparer le séminaire, on devait faire une balade dans le Coran. De quoi on va parler ? Est-ce que vous prenez une sourate, vous oubliez l'autre ? Tellement la profondeur, elle est énorme. Et vous allez voir, Inch'Allah. Ok. Allez, ala barakatillah. Sens linguistique. La définition du Coran, c'est réciter, lecture par excellence. Vient de la racine « qara'a ». Donc je vous ai dit « qara'a », c'est pas seulement lire, hein. On peut dire « qara », li. Mais le sens du Coran « qara'a », c'est le fait de réciter. Et le fait, d'autres savants linguistiques, ils disent que « qara'a » معناه « jama'a ». Et quand vous lisez, qu'est-ce que vous faites ? Vous rassemblez les lettres, ok ? Vous rassemblez les lettres pour faire un mot et une phrase derrière, ok ? Alors, la définition du Coran. Moi, j'aimerais bien avoir un lecteur qui peut me lire. Allez, je vous donne le micro. Merci. Bismillah. C'est la parole d'Allah. Oui. Définition du Coran. Ah, pardon. Bon, ok. Vas-y alors. Définition du Coran. Ah, ça quand même. Comme ça ? C'est pas grave, lis, c'est pas grave. Ah, voilà. Définition du Coran. Sens juridique, c'est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril sur une période de 23 années. Exprimé en langue arabe, il a été transmis de génération en génération sans interruption, par écrit et oral. Sa lecture et son apprentissage est un acte d'adoration et il est le dernier livre révélé. Le Coran est le kalam Allah al-munazzal ala al-Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lil bayan wal i'jaz. المنقول عنه بالتواتر والذي يتعبد المسلمون بتلاوته وهو آخر الكتب السماوية. Ça c'est la définition juridique du Coran. Ok. Donc le Coran c'est quoi? C'est Kalamullah. C'est très important de dire que le Coran c'est Kalamullah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui a parlé. Ça veut dire que c'est Allah qui a parlé. Vous allez voir qu'on va rester combien de temps? On va rester sur la définition. Alors, on a 200 slides. Hein. Je ne sais pas si on peut finir. On finira tout ça en deux jours, mais Inch'Allah, on finira. Inch'Allah. C'est la parole d'Allah. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Mu'tazila. Vous savez ce que c'est le Mu'tazila ? Les Mu'tazilites ? Non ? Très bien. Klafik. Le Mu'tazila, ils ont. On va le voir aussi dans l'interprétation du Coran. Al-Mu'tazila, ils font sarf. C'est quoi sarf ? C'est-à-dire ils prennent un terme
Et il dit, c'est pas ce que ça veut dire, ça veut dire autre chose. Et du coup, ben, on s'en sort pas, hein, on s'en sort plus. Le Mu'tazila, ils disent par exemple, quelqu'un qui a commis un grand péché, même s'il se repent ici sur terre, il terminera en enfer éternellement. Et ça, c'est pas Al-Sunna wal-Jama'a. Le Mu'tazila, ils disent que le Coran a été créé. Or, le Coran, c'est la parole d'Allah. Regardez, donnez-moi votre attention, c'est très important. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc l'ordre d'Allah, il suffit qu'Allah il dit soit et la chose se crée. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'il dit Allah. Ok. Quand vous faites une interprétation de ce terme, les savants vous disent, astaghfirullah, les savants vous disent quand vous dites kun, quand vous dites ka kun, il y a une seconde qui est passée. En une seconde, la lumière, elle a traversé combien de kilomètres? 360 000 kilomètres. En fait, il suffit de la volonté divine pour que la chose se crée. Je ne sais pas si vous comprenez. Autrement dit, l'ordre d'Allah, avant que l'ordre ait été mis, la chose se crée. Et des choses, quand on va sur ce terrain-là, notre cerveau est trop rétréci, si vous voulez, trop petit pour comprendre certaines choses. Tout à l'heure, on a parlé de plus l'infini. On vous dit, Allah est éternel. Ça rentre dans votre tête. Vous comprenez ce que ça veut dire éternel? Il ne finit jamais. Vous comprenez? Répondez-moi. D'accord. Vous comprenez quand je vous dis, Allah, il n'a pas de commencement? Vous n'arrivez pas. Je suis comme vous, hein? Pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que nous, dans notre cerveau, dans notre conception, dans notre vie, on a toujours vu les choses commencer à un moment donné. C'est vrai ou pas? Donc quand on vous dit « Allah n'a pas de fin, il est éternel », vous pouvez imaginer, ça va jusqu'à, on ne sait pas, enfin, ça ne s'arrête pas. Quand on vous dit « il n'y a pas de commencement », comment? Vous voyez la limite de notre cerveau? C'est ça la limite de notre cerveau. C'est ce que je suis en train de vous dire sur le fait de « kun fayakun ». Allah, subhanahu wa ta'ala, avant de prononcer la parole, la chose existe déjà. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est « kalamullah », c'est la parole d'Allah. Autrement dit, quand vous lisez le Coran, vous dites ou vous êtes en train de lire ce que Allah a parlé au septième ciel. Tout à l'heure, on va voir une ayah sur le Saba. Quand Allah il parle, ce qui se passe dans les cieux. Quand Allah il prononce une parole, ce qui se passe. Yus'aqoun. Tous les anges tombent dans les pommes. Tous. Even, même Djibril. Et c'est Djibril qui se réveille le premier. On va le voir tout à l'heure, inch'Allah, sur le Tzaba. On a beaucoup de choses à voir, j'arrête pas de vous dire. Alors, c'est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va voir la révélation tout à l'heure aussi. Je ne vais pas aller trop... parce que sur la révélation, vous allez voir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. S'il était sur une monture, la monture descendait. Jabir ibn Abdillah, il raconte, il dit, quand un jour j'étais à côté du prophète et il a mis sa jambe sur moi comme ça, et il recevait la révélation, je pensais qu'il y avait une montagne sur ma jambe, il disait. En fait, le prophète, il devient lourd. Et puis, كان يتصبب حرقا في الليلة البرداء, comme disait Aïcha. Aïcha, elle disait, il y avait des gouttelettes de sueur sur lui pendant une nuit très froide. Pour vous dire que quand il recevait la révélation, il se transformait, il devenait un autre homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Djibril. L'angle, la ilaha illallah. L'ange Djibril. Ok? Je vais vous parler. Tout à l'heure, on va parler de l'inimitabilité du Coran. Retenez ce que je vais vous dire. Si vous me dites, là maintenant, de répéter ce que je viens de dire depuis une demi-heure, est-ce que je pourrais? Dans l'ordre de ce que j'ai fait. Je peux? Je ne peux pas. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation après le Maghreb. Il vient de Jibril après le Maghreb. Il lui dit, tiens, ça, il lui donne 5, 6, 7 ayats. Il dit, ça vient après la ayat 180, mais surat al-Baqarah. Il les rajoute à Surat al-Baqarah. Le lendemain, Salat al-Fajr, le prophète, il lit ce qui est descendu sur lui il y a 6 mois, il y a 1 an, et la veille.
Je ne sais pas si vous imaginez. Comprenez ce que je veux dire ou pas? N'importe qui, quand il parle comme ça, dites-lui de répéter ce qu'il a fait pendant les 10 dernières minutes, il ne pourra pas. Or, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Nous allons t'apprendre, tu n'oublieras jamais. Et quand le Coran est descendu, Jibril lui dit, ça, tu le mets là. Le lendemain, le prophète, il lit ce qui est descendu il y a un an, ce qui est descendu il y a 6 mois, et ce qui est descendu la veille, dans un classement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini. Ajib, hein. Ça fait partie de l'inimitabilité du Coran et des miracles du Coran. On le verra aussi tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, sur une période de 23 années. Notez ça aussi, parce que c'est très important. On va le voir aussi pourquoi, en 23 années, et comment le Coran a changé le monde. Vous allez voir, 23 années. Exprimé en langue arabe, ça c'est très important. Très important de lire le Coran en langue arabe. Si vous lisez le Coran en français, si vous lisez le Coran en anglais, ce n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Fait sur le Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » Si vous lisez la traduction, il te questionne sur l'âme, tu diras l'âme est du ressort de mon Seigneur. Ok. Sur le Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » Et nous avons créé l'homme. Et nous savons ce que lui susurre. Et là, la traduction, c'est quoi? Son âme. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand Allah il dit « ruh », on l'a traduit par « âme ». Quand Allah il dit « nafs », on l'a traduit par « âme ». Alors l'âme, c'est quoi? C'est « ruh » ou « nafs » C'est quoi la différence entre « ruh » ou « nafs » Quelqu'un sait? Oui. Ouais, barakallahu fik. Ar-ruh, c'est le souffle de vie, c'est l'esprit, barakallahu fik. C'est quelque chose de divin, ar-ruh. C'est que nous avons tous en nous une partie divine. Et là, vous allez voir. Et ça, c'est dit dans le Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. La ayah 143, min surat al-Baqarah. Allah dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Vous pouvez noter, hein? 143, mais surat al-Baqarah. Nous avons fait de vous une nation de juste dans la traduction. En arabe, nous avons fait de vous une nation de juste milieu. Et l'ayah 143, juste milieu, l'ayah 143, elle vient pile poil au milieu de surat al-Baqarah qui comporte 286 versets. L'ayah wasata, c'est la 143. Et surat al-Baqarah comporte 286 versets. Suivez ? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Pourquoi ? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Pour que vous soyez témoins sur les gens et que le prophète soit témoin sur vous. Vous savez ce que ça veut dire témoin sur les gens ? Quand vous marchez dans la rue, avec votre foulard, avec ma barbe, quand vous marchez dans la rue, vous rappelez Dieu aux gens. Vous savez que des fois, les gens sont très virulents contre la religion en général, pas seulement l'islam, mais l'islam en particulier, mais la religion en général. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une partie divine en lui, et toi, tu lui rappelles Dieu. Et lui, il l'a mis de côté, il l'a mis en veille, cette partie-là. Et cette partie, elle se réveille. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Vous voyez le Coran, comment il vous explique les choses? Vous voyez? C'est... Allah subhanahu wa ta'ala, surat Noun, il dit « وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ » Il ne faut pas obéir à quelqu'un de jureur. « هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعِنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, si tu vois quelqu'un jurer beaucoup, c'est que c'est un menteur. C'est le Coran qui le dit. Regardez autour de vous. Vous devez sûrement en connaître. Quelqu'un qui « Wallah, Wallah, Wallah !» Généralement, c'est les vendeurs, hein. « Wallah, je l'ai acheté !» Tu ne jures pas sur la marchandise. C'est le Coran qui nous le dit. Et quand le Coran vous donne une vérité, allez-y, n'ayez pas peur. Okay? Alors, 23 ans, je vous ai dit, notez ça, c'est très important. Hein, exprimé en langue arabe, c'est très important aussi, la langue arabe. On verra aussi pourquoi tout à l'heure. Il a été transmis de génération en génération. Alors là, j'aimerais bien avoir votre attention. C'est très important.
Alors j'en ai parlé à Mohamed, je ne sais pas s'il l'a remis ou pas. Là, j'ouvre une parenthèse. Suivez bien, hein, ok. Vous connaissez les hadiths. On dit que c'est un hadith du prophète. Alors, le hadith, il a combien de degrés? Allez. Deux. Daif et Hassan. Sahih. Allez-y. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Mais dites-moi, il faut qu'il y ait un échange. Il ne faut pas que vous regardiez seulement. Sahih. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hassan et Daif. C'est ça? Très bien. OK. Suivez et notez. D'accord? Il y a dans Ilm al-Hadith ce qu'on appelle Tabaqat al-Hadith. Tabaqat. OK? Des degrés. Le premier degré des hadiths, c'est le mutawatir. Mutawatir. Ça veut dire quoi, mutawatir? Avéré. J'expliquerai après. Deuxième degré de hadith, mashhour. Mashhour. Non. Deux H. Mashhour. Troisième degré de hadith, aziz. Et quatrième degré de hadith, ahad. Qu'est-ce que ça veut dire, mutawatir? Mutawatir, ça veut dire que les gens qui ont transmis le hadith, ils étaient tellement nombreux qu'il est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Donc nous avons ici 100, 200 personnes à peu près qui ont transmis à une deuxième génération de 100, 200, 300 personnes, qui ont transmis à une autre génération 100, 200, 300 personnes. On appelle ça le hadith al-mutawatir. C'est très important pour comprendre le Coran. La chose première que nous avons eue, nous, la dernière génération, bitawatir, c'est le Coran. Le Coran n'a pas été transmis d'une personne à une autre, à une autre, à une autre. Ce n'est pas ça. Le Coran, c'est une génération de gens qui ont transmis à une autre génération, qui ont transmis à une autre génération, et ainsi de suite. Vous suivez? Al-Hadith al-Mashhur, c'est entre 3 et 5 à chaque étape. Vous avez 3 ou 5 personnes qui ont entendu le Hadith du prophète et qui vont transmettre à 3 ou 5 autres personnes. Ça s'appelle hadith mashhour. Il ne peut pas être daïf, celui-là. Le hadith al-aziz, c'est 2 ou 3. 2 ou 3 personnes qui ont entendu le hadith et qui vont le transmettre à 2 ou 3 autres, et ainsi de suite. Le hadith al-ahad, c'est une personne qui va transmettre à une autre, qui va transmettre à une autre, qui va transmettre à une autre, et ainsi de suite. Le hadith al-ahad a besoin d'être travaillé. Et c'est lui qui se divise et se subdivise en sahih, hasan ou da'if. Authentique, bon ou faible. C'est le hadith al-ahad. Ahad, ça veut dire 1, 1, 1, 1, 1. Vous suivez? C'est lui sur lequel on va faire une étude, une enquête judiciaire, si vous voulez, sur lui, et lui, et lui, et lui. Pour que le hadith soit sahih, il faut 2 conditions, même 3. Il faut que le texte ne soit pas chèvre, rare, c'est-à-dire il comporte quelque chose, on sait comment le prophète il parle. Il faut que le texte soit... La deuxième chose, on va suivre la chaîne de transmission. Et dans la chaîne de transmission, on va regarder les gens qui ont transmis le hadith. Les gens qui ont transmis le hadith, il faut qu'ils aient 2 conditions. Adlun wa dhabtun. Adlun wa dhabtun. Ça veut dire quoi? Probe de bonne moralité et de bonne mémoire. Celui qui transmet le hadith, il faut qu'il soit de bonne moralité et de bonne mémoire. Et l'imam Malik disait, il y a des gens, on leur donnerait les clés du trésor, mais on ne prendrait pas le hadith de chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne mémoire.
sont faillibles dans leur mémoire, ils ne retiennent pas bien. C'est le hadith al-ahad qui se subdivise en trois catégories. Le Coran, il n'est pas là. Il n'est pas là, le Coran. Le Coran est là. Avéré, mutawatir. Le Coran, on l'a eu de génération en génération. C'est très important, ça. Hein, très, très important. Très important de savoir que le Coran, nous l'avons eu d'une manière mutawatir, parce que si un jour, il vous arrive, Inch'Allah, de travailler sur les textes, quand je dis les textes, c'est tous les textes bibliques, les textes du Coran, vous allez voir où est-ce qu'il y a la différence. Vous allez voir. C'est très, très important de savoir ça et de savoir comment on a compilé le Coran. Donc, de génération, c'est ça. Il a été transmis de génération en génération sans interruption par écrit et oral. Écrit et oral, on va voir l'écrit tout à l'heure, Inch'Allah. Sa lecture et son apprentissage est un acte d'adoration. Il y a quelque chose qui manque ici que je dirais, il est le dernier livre révélé. Le Coran, c'est par lequel les musulmans adorent Dieu. C'est ce qui fait la différence avec tous les autres textes. Le Coran, on adore Allah, quand on fait la prière, on adore Allah par le Coran, en récitant sa parole. Et vous avez vu, on n'a pas le droit de se tromper quand on lit le Coran. On doit le lire comme Allah l'a descendu. Il y a des différences que j'expliquerai tout à l'heure, Inch'Allah. Pourquoi il y a des différences dans le Coran? Vous allez comprendre. Oui. Je veux juste savoir les trois catégories de hadith sahih, il n'y a pas encore. Hassan et Daif. Le frère, il voulait savoir les trois catégories de hadith. Dans le Ahad, on a dit Sahih, Hassan et Daif. Okay? Daif, c'est-à-dire il y a des problèmes sur la chaîne de transmission. Okay? Des problèmes sur la chaîne de transmission, ou le texte n'est pas avéré. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. C'était juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire mutawatir, ce que ça veut dire avéré. Okay? C'est ça. C'est pour ça que quand vous apprenez le Coran, vous ne pouvez pas apprendre le Coran tout seul ou tout seul. Si vous apprenez le Coran, vous devez apprendre le Coran d'un cheikh. Quelqu'un qui sait comment on lit le Coran, qui connaît les règles de tajwid et qui va vous corriger. Bien sûr, vous apprenez tout seul quand vous arrivez à la maison, vous devez apprendre tout seul. Mais vous devez réciter le Coran sur un cheikh. Vous devez, vous ne pouvez pas. Donc vous récitez le Coran et lui vous corrige. Non, ça on ne le dit pas comme ça, on le dit comme ça. Répète, ça on ne le dit pas comme ça, tu le dis comme ça. Sinon, tu peux faire rentrer des choses fausses dans le Coran. Donc on apprend toujours. Moi, j'apprends sur un cheikh. Lui, il a appris sur un cheikh. Son cheikh, il a appris sur un cheikh. Et on remonte la chaîne, on remonte, jusqu'à ce qu'on arrive au compagnon qui a transmis à l'ancien cheikh. Le compagnon, il a appris de qui? Il a appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a appris de qui? De Djibril. Et Djibril, il a appris de qui? D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? En fait, on remonte la chaîne, tout simplement. Très important tout ça. Ok? Vous avez des questions? Non? Ok. Il est le dernier livre révélé. Autrement dit, si vous ne dites pas que le Coran par lequel les musulmans adorent Allah, vous n'avez rien dit. Hein? Alors, le sens juridique. Merci. Le mot Coran prend tout son sens du moment qu'il est lu. Posé dans un placard ou sur une étagère, il n'est qu'un livre parmi d'autres. Le Coran a été révélé pour chaque être humain, moi en premier. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure, vous vous souvenez? Quand j'ai commencé la phrase, je disais, c'est quoi ça? Je dis, ça, c'est pas le Coran. Le Coran, c'est pas quelque chose que tu mets sur une bibliothèque et tu dis, ça va me protéger. Ça va pas te protéger. Ok? Al-Ruqya, c'est quoi? C'est le Coran. Mais le Coran, c'est pas une lecture de roman. Quand on dit ruqya, c'est quand on a le waswas, quand on est angoissé. On vous dit qu'il faut lire le Coran. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut lire le Coran? Ça veut dire qu'il faut comprendre les concepts coraniques. Et quand tu te remets aux concepts coraniques, tu t'apaises. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous comprenez ou pas? Tout le monde a compris? Oui? Ça veut dire quoi qu'on comprend le concept coranique? Méditer sur le verset, le sens profond. Oui, pardon. Imaginez, je suis angoissé. Okay? Je suis angoissé. Et on m'a dit, il faut lire le Coran. Lire le Coran, oui, je peux lire le Coran. Mais
qu'est-ce qui fait qu'en lisant le Coran, je vais être apaisé? Ah, très bien, ouais. La sœur, elle dit, ça va répondre à mes questions. Je vous donne un exemple. Quand on fait le cours sur la prière, je dis aux jeunes, quand on est pressé, vous voyez, hein, quand on est pressé, il y a du boulot, il y a ceci, alors on est pressé, hein. J'en vois qui sourit, parce que, hein, on le fait tous, hein. Qu'est-ce que vous lisez? Moi, des fois, j'ai mon fils, j'ai dit, t'as fait la prière? Oui. Et t'es allé rapide. Bah oui, j'ai lu le Kauthar, papa. Ouais. Quand on est pressé, on lit quoi? Kauthar, l'as, ça ou là? Wallahu ahad, c'est ça? Ok. Vous savez ce que c'est le Kauthar? C'est quoi le Kauthar? C'est quoi? C'est un fleuve au paradis. Vous avez vu, hein, on est pressé pour quelque chose de dunya, qui est éphémère, X sur plus l'infini. Allah, il te dit, inna a'tinaka al-kauthar. On t'a donné un fleuve au paradis. Oublie le prophète, est descendu sur le prophète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il parle à toi, le Coran. Le Coran, il te dit, on t'a donné un fleuve au paradis. Pourquoi tu cours? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cours là, comme ça? Apaise-toi. Prends le temps nécessaire. C'est ça, le concept coranique. C'est que tu comprennes ce que tu es en train de lire, que tu comprennes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut te dire. Tu lis l'asr, oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa l'asri inna l'insan ala fi khusr. » L'être humain est en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes. Mais si vous regardez l'asr, où est-ce qu'elle se situe? Surat al-asr, c'est ce qu'il y a avant. Takathur, c'est ce qu'il y a après. Al-humaza. Surat al-asr, où Allah subhanahu wa ta'ala parle du temps qui passe, le temps qu'on a déployé comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, avant, il parle de takathur. Al-hakumu takathur, hatta zurtum al-maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma ta'lamun ilma al-yaqin, la tarawna al-jahim, thumma la tarawna ayna al-yaqin. Allah, il parle de quoi? La course aux richesses. En fait, tu as passé ton temps dans la course aux richesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ce temps où tu as passé à la course aux richesses, dans la vie ici-bas, tu l'as perdu. Juste après l'asr, il y a quoi? Al-humaza. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. Celui qui a ramassé de l'argent, qui a ramassé une fortune, et il l'a compté. كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Il sera dans celle qui détruira tous ses rêves. Jahannam. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et c'est un temps qui est compté. Si tu l'as passé à ramasser et à remplir ton trésor, tu n'as rien fait. Parce que tout ça, tu vas le laisser. Tout ça, tu vas le laisser. Et le temps que tu passes dans la méditation, là, ce que vous faites là, c'est ça le temps où Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka. Al-umr, le temps que tu passes dans la vie ici-bas, l'important, ce n'est pas que tu vives 70, 80, 60. Non, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait pendant ce temps-là. L'imam al-Nawawi, il est mort à 42 ans. Je connais un importateur dans un pays musulman, un importateur de livres. Je dis, quel est le livre qui se vend le plus? Il me dit, je ramène des conteneurs de Riyad Salihin, une porte douce. Imam Nawawi est mort à 42 ans. Il a écrit le Majmou' 22 tomes sur le fiqh al-Shafi'i. Qu'est-ce que nous, on a laissé? C'est ça le concept coranique. Le concept coranique, c'est que tu donnes un sens à ta vie. Pourquoi je suis angoissé? Je n'ai pas réussi un examen? Pourquoi je suis angoissé? Je n'ai pas eu le boulot? Pourquoi je suis angoissé? Quel est le problème? Et le Coran, il t'explique. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure au début? Moussa alayhi salam avec la canne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu possèdes? Rien. Et c'est ça le concept qui te fait, excusez-moi le terme, hein, désangoisser. C'est ça qui enlève l'angoisse. C'est-à-dire que tu sais que tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir comment Allah, il va éduquer les compagnons, il va éduquer le prophète à supporter toute cette adversité. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, fait le Coran, il nous parle de Nuh? Combien il est resté Nuh dans son peuple? 950 ans. Il est resté 1000 ans en fait. Il est resté فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ. Il est resté 1000 ans. Et dans les 1000 ans, alors là on voit l'inimitabilité du Coran. Il y a une différence dans le Coran entre عام et سنة. عام, c'est une année. Et سنة, c'est une année aussi. Mais quand on dit عام, c'est une année d'opulence. Et quand on dit سنة, c'est une année de disette. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ Sourat Yusuf, il dit تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسِ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. L'âme, c'est une année toujours d'opulence. Sinin, c'est les années de disette, c'est les années de crise.
Vous voyez de quoi je parlais, j'ai perdu le fil. Nouh, barakallahu fik. Ouais, merci. Allah subhanahu wa ta'ala sur l'Ankabout, merci, il y en a au moins une qui suit. Allah subhanahu wa ta'ala sur l'Ankabout, il dit, il est resté dans son peuple, falibithafihim, alfa sana, mille sana, illa khamsina am, sauf 50 années d'opulence. C'est-à-dire que pendant 950 ans, ils n'ont pas cru, il y a eu le déluge, et après le déluge, Nouh est resté 50 ans encore. Pendant 950 ans, Nouh, il appelle à Allah et les gens ils lui disent « Tu es fou, tu es ceci, tu es… » Le gars, avant de mourir, il prend son fils, il dit « Voilà, tu vois celui-là ? C'est un fou, c'est un malade, il ne faut pas le suivre, c'est un menteur, ceci, ceci. » Vous savez ce qu'il nous explique, Allah ? Il nous explique que l'islamophobie existe depuis Nouh. Ce n'est pas nouveau. Vous n'êtes pas les premiers sur terre. Tous les compagnons, tous les prophètes qu'Allah a envoyés, on les a traités de tous les noms. C'est exactement ce qu'on vous fait aujourd'hui. Quand tu vois ça, il y a des gens, ils me disent, quand je regarde la télé en France, j'ai envie de casser la télé. Non, apaise-toi. Tout ce qui arrive là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Mais en fait, c'est ton épreuve. Est-ce que toi, tu tiens ou tu ne tiens pas? Moi, j'ai des gens, ils me disent, je ne peux pas faire la prière. Pourquoi? Quel est le problème? S'il m'attrape, qui t'attrape? Qui? Le patron? Oui, qu'est-ce qu'il va te faire, le patron? Vous avez Shaitan, plus les médias, plus… Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il mesure votre foi, là. Ta foi, elle est mesurée, là. Et Allah, il te le dit, dans le Coran. Shu'aib, Nuh, Yusuf, Moussa, alayhi salam. Moussa, il est devenu, avec Benou Israël, c'est… Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, nous parle de tous ces gens-là, dans le Coran? Eh bien, pour nous éduquer, pour nous dire que ce que vous subissez, il n'y a rien de nouveau. Mais justement, l'homme, le vrai, la foi, c'est quoi? C'est si tu tiens. Et là, a'adallahu lil muslimin wal mu'minin ajran azim. Allah vous dit ajran azim pour vous. C'est ce que ça veut dire ajran azim. C'est ce que ça veut dire ajran azim. Regardez. Al-azama ala qadri al-mutakallim, on vous dit en arabe. La grandeur, elle est au degré de celui qui parle. Prenez un petit garçon, 5 entre 5 et 10 ans. Et vous dites, tantôt, moi j'ai ramassé Fil'id une somme d'argent colossale. J'ai beaucoup d'argent. Pour le petit garçon, c'est combien? Dites-moi, combien? 50? 100 euros? Allez, 100 euros. Pour lui, c'est beaucoup. Quand un ministre du budget vous dit, on a préparé pour cette guerre un budget colossal, c'est combien? 2 milliards? 3 milliards? 20 milliards? D'accord. Quand Allah qui parle, celui qui a créé l'univers, il te dit, tu as une récompense que tu ne peux pas mesurer. Vous pouvez imaginer? C'est ça le concept coranique. Il faut qu'on ait le concept coranique. C'est comme ça que le Coran nous éduque. Ce n'est pas juste une lecture. Les différentes étapes de la révélation. Tu lis, ma soeur, s'il te plaît? Le mot. Al-Wahi. Le wahi. Il est très souvent traduit par le mot révélation, mais la traduction la plus juste est le souffle. Souffle divin, oui. Le wahi est le souffle qu'Allah a mis dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il le transmette aux croyants. Ça, c'est, comment dire, c'est un point d'orgue sur lequel, alors je ne sais pas vous, mais on a beaucoup de, moi je fais beaucoup de réunions avec les autres communautés, les juifs et les chrétiens en général. Parce que nous avons des textes qui se... Ou parfois ils se ressemblent. L'histoire de Joseph et le Coran, elle est exactement racontée presque de la même manière dans la Bible abrahamique. Vous savez que les Juifs ils disent pas l'Ancien Testament. C'est les chrétiens qui disent l'Ancien Testament en parlant de la Bible juive et le Nouveau Testament en parlant des Évangiles. Or la Bible c'est tout ça en fait. Mais les Juifs ils disent pas l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que si tu dis l'Ancien, ça veut dire qu'il est démodé, c'est ça. Eux, ils disent la Bible hébraïque ou la Bible abrahamique, la Bible hébraïque. Comment s'effectue le wahy? Et ça, c'est un mystère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Jibril y venait, j'entendais comme un bourdonnement d'abeilles qui arrive, ou bien des petites clochettes comme ça qui arrivent, que j'entends des petites clochettes, et que j'entends que Jibril, il arrive. Et Jibril, il arrive, les compagnons ne le voyaient pas. Les compagnons ne le voyaient pas, mais ils voyaient la transformation du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, il lui dicte les choses. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
et il va les répéter aux compagnons. Okay ? On va voir tout à l'heure comment les compagnons ont compilé le Coran. Les différentes étapes de la révélation. La table gardée, la Lawh al-Mahfouz. Vas-y, la première. La table gardée. La première étape est la révélation intégrale dans la table gardée. Quand, comment et où, Allah est le seul à savoir. Ok. Il y a un mot dans le Coran, « Inna anzannahu » Continuez. « Fi laylati al-qadr »« Wa nazzannahu tanzila » Fi surat al-Furqan, il dit « Al-Qur'anun faraqnahu alayka li taqra'ahu ala al-nasi ala al-mukth » Fi surat al-Isra, pardon. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا C'est quoi la différence entre l'inzal et le tanzil dans le Coran ? On vous dit l'inzal, l'inzal, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran des tables gardées jusqu'au ciel terrestre. Jusqu'au ciel terrestre. Ensuite, tanzil, c'est le fait de descendre le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière saccadée. C'est ça, Tanzil. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se présentait et Allah subhanahu wa ta'ala est descendu le Coran. Inna anzalnahu fi laylati al-qadr. C'est ça qui a fait que laylati al-qadr, elle devient sha'nuha azim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et là, c'est ça le Coran aussi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de jeûner le mois de ramadan? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette importance à Laylat al-Qadr? Pourquoi le mois de Ramadan en particulier? Pourquoi pas Sha'ban? Pourquoi pas Rajab? Pourquoi pas Dhul Hijjah? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner le mois de Ramadan? Parce qu'il y a un événement extraordinaire qui s'est produit fi alam al-ghayb. Et c'est ça le Coran aussi. Le Coran, il te lie à alam al-ghayb, il te lie au monde invisible. Que le matérialiste, celui qui ne croit pas, il faut qu'il touche lui, il faut qu'il voit. La différence entre un croyant et un non-croyant, c'est quoi? C'est alam al-ghayb. C'est que tu crois au monde invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a un événement extraordinaire qui s'est passé dans le monde invisible, c'est la descente du Coran. Et ce monde invisible, cette descente du Coran, elle est célébrée de l'autre côté. Donc toi, il faut que tu jeûnes. Et toute la prière, le temps de la prière, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Salat al-Fajr, fais Salat al-Fajr à 6 h du matin », qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toutes les créatures sont convoquées par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures sont devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il se passe un événement extraordinaire dans le monde invisible. Et qui est absent? L'homme. Avez-vous déjà vu un animal qui fait la grasse matinée? Ça n'existe pas. Je ne vais pas vous montrer les cycles, le rythme circadien, par exemple, comment, les fonctions qui sont dans le corps, qui sont liées au temps de prière. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le temps de prière, il est lié aux événements cosmiques? Tu ne regardes pas la montre, c'est nous, et aujourd'hui on regarde la montre. Mais normalement, salat, tu regardes le ciel, tu regardes la lumière du soleil. Tu dois regarder le ciel. Et tu regardes quoi quand tu regardes le ciel? Tu regardes la création. C'est important. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a lié tous les événements, toute notre adoration à quoi? À des choses qui se passent dans le monde invisible, que nous on ne maîtrise pas. Et quand on a enlevé ce rituel, on a enlevé cette conception, on n'a pas compris salat. On n'a pas compris la valeur de la prière. Et le Coran, c'est ce qu'il nous explique. Ok. Non, ça. Alors. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Le Coran est dans les tables préservées. OK? Les ulama nous disent les tables préservées. Celui qui apprend le Coran, celui qui a le Coran dans son cœur, il est préservé par Allah aussi. Le Coran, Allah l'a préservé. Si toi tu portes le Coran, le fait de préserver le Coran, Allah il te préserve. Vous comprenez? Non. Si, OK. Je sais pas, je vous sens. Hein. Al-Lawh al-Mahfouz, Sourate al-Buruj, ouais. Bel huwa Qur'anun Majid, fi Lawh al-Mahfouz. Qu'il sache donc que ce Coran est un livre sublime, gravé sur des tables
parfaitement conservé. Donc si vous voulez être conservé par Allah, vous savez ce qui vous reste. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre le Coran par cœur ? C'est bien, ça serait bien si vous appreniez le Coran par cœur. Mais ça ne suffit pas. OK ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas pourquoi ils n'apprennent pas le Coran. Il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Afala yatadabbaruna al-Quran. Pourquoi ils ne méditent pas ? Parce qu'on a vu des gens qui ont appris le Coran par cœur, ils ne l'ont jamais médité. Donc ça reste juste... hein ? C'est pas ça le Coran, attention. Al-Inzal. Tu peux lire ma sœur, s'il te plaît ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la descente intégrale du Coran du plus haut ciel, de la table gardée au premier ciel, appelé au six ciels terrestres. Sama ad-dunya. Où se trouve la maison gardée ? Al-Bayt al-Ma'mour. Donnez-moi votre attention. Bon, on ne va pas parler de Sourate l'Isra. Le Coran est plein de choses mais vraiment magnifiques. Mais je vais vous expliquer juste Al-Bayt al-Ma'mour et Sama ad-Dunya. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, et après on va s'arrêter. Parce que 10h30, c'est ça la pause ? Oui, Inch'Allah. OK. Nous sommes sur la planète Terre. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Enfin, nous sommes sur la planète Terre. OK ? Sur la planète Terre, nous faisons partie d'un système qui est le système solaire. Nous avons un soleil et puis des planètes, OK ? Et nous sommes situés à une distance qui est, subhanallah, mesurée par Allah. Si on était un peu plus proche du soleil, on brûlerait. Si on était un peu plus loin, on n'arriverait pas à vivre tellement il ferait froid. Vous savez combien de terres il faut pour construire, pour avoir le soleil que nous avons là, le nôtre ? Vous savez combien de terres il faut ? Il faut 1 300 000 terres pour avoir le soleil. Notre terre, toute notre terre, il faut 1 300 000 terres pour faire le soleil. Nous appartenons à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a plusieurs autres soleils comme le nôtre. Les étoiles que vous voyez, ce sont des soleils éteints. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Fala uqsimu bima waqi'in nujum » Je ne jure par la position des étoiles. Il ne dit pas par nujum, il dit par la position des étoiles. Pourquoi ? Parce que l'étoile que vous voyez, elle est éteinte et c'est seulement sa lumière qui est en train d'arriver chez nous. Et Allah, il le cite ça, dans le Coran. Nous sommes là, le soleil, système solaire. Dans la Voie lactée, notre galaxie, il y a des millions d'autres soleils. Des millions d'autres soleils. Or, notre galaxie n'est pas la seule dans l'univers. Il y a des millions d'autres galaxies. Pas système solaire, d'autres galaxies. La plus proche des galaxies, à nous, la plus proche, hein, elle se situe à quelques millions d'années-lumière. La plus proche des galaxies, elle se situe à quelques millions d'années-lumière. Vous savez ce que c'est une année-lumière ? C'est 360 000 km à la seconde. Que multiplie 60, ça fait une minute. Que multiplie 60, ça fait une heure. Que multiplie 24, ça fait un jour. Que multiplie 365, égale une année-lumière. Ça, c'est une année-lumière. La plus proche des galaxies se trouve à quelques millions d'années-lumière. Et nous avons des millions d'autres galaxies dans notre univers. Tout ça, le lama vous dit, ça, c'est « batnus sama'id dunya ». C'est bon, c'est bon. C'est que du papier. Tout ça, la main vous dit, ça c'est batnus sama'id dunya. C'est le ventre mou de sama'id dunya. Le ventre mou, on n'est pas encore arrivé à sama'id dunya. Imaginez le septième ciel. Vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je vous dis ça, vous pouvez imaginer la petitesse de l'homme. Cet homme qui s'enfle d'orgueil, qui pense... Calme-toi. Calme-toi. Tu n'es rien. OK ? Ah, le Bayt al-Ma'mour. Je n'ai pas expliqué le Bayt al-Ma'mour. Le Bayt al-Ma'mour, c'est la maison gardée. C'est quoi la maison gardée ? Vous avez vu la Kaaba ? Je parle de la Kaaba, pas de la Mecque. Vous avez vu la Kaaba ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous devez faire un tawaf autour de la Kaaba.
pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la Kaaba comme qibla des musulmans. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la Kaaba comme qibla des musulmans? Il y en a parmi vous qui sont allés à la Mecque. Qui est allé à la Mecque? Masha'Allah. Masha'Allah. Vous avez ressenti l'énergie qu'il y a dans le Masjid al-Haram? Vous avez ressenti? En fait, l'énergie qu'il y a dans le Masjid al-Haram, si elle est de 1, bon, regardez. Vous êtes sur votre canapé, vous regardez la télé, ok? Et vous assoupissez, comme on dit, quand quelqu'un s'assoupit. À un moment donné, vous avez froid. C'est vrai ou pas? Donc, il faut mettre une petite couverture. Qu'est-ce qui se passe? En fait, votre corps, il dégage de l'énergie. Il dégage de la chaleur. Il y a de la chaleur qui sort de votre corps. Et cette chaleur, elle se disperse. Si vous mettez une couverture, la chaleur qui se disperse, elle revient sur vous. Et donc, vous avez chaud. En fait, l'être humain dégage de l'énergie. La Terre dégage de l'énergie. Cette énergie qui est de 1 à Bruxelles, elle est de 1000 à la Mecque. Et on vous dit, les plus grands vortex d'énergie, c'est entre la Mecque et Jérusalem. C'est comme un gros gazoduc où il y a une énergie extraordinaire. C'est ce qui a permis le voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, vous avez une énergie considérable. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est un apaisement, une énergie considérable. C'est la présence des anges, c'est l'énergie qu'Allah a mis dans ce pays. Mais on vous dit, si vous regardez bien, les oiseaux ne traversent pas l'axe de la Kaaba. Pourquoi? Parce que la Kaaba est liée à la Kaaba qui est au ciel. Et c'est ça le Bayt al-Ma'mour. La table gardée, la maison gardée, c'est ça le Bayt al-Ma'mour. C'est la Kaaba des anges au ciel terrestre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le voyage nocturne, il a vu ça. Il a vu Ibrahim adossé au Bayt al-Ma'mour. Il a vu les anges qui rentrent, 70 000 anges qui rentrent tous les jours que Dieu fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Ils sortent, ils ne reviennent que jusqu'au jugement dernier. C'est ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a dit, « Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. » Il ne connaît le nombre de soldats de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Bayt al-Ma'mour, c'est ça. La Kaaba, la nôtre, elle est liée au Bayt al-Ma'mour. Si vous lisez surat al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de ce voyage. Il nous dit des choses. Surat al-Najm, elle est difficile hein, à expliquer, à lire, elle est difficile. Il y a des termes très, il y a des termes qui ne sont pas traduits. Sidrat al-Muntaha n'est pas traduit. Sidrat al-Muntaha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, c'est un grand arbre qui va cacher derrière Sidrat al-Muntaha, Jannat al-Ma'wa, le dernier paradis. Jannat al-Ma'wa. Wa laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Le prophète a vu des choses extraordinaires chez Allah. Extraordinaires. Les compagnons lui ont posé la question, est-ce qu'il a vu Allah? La tudrikuhu al-absar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hiya subuhat. Vous savez ce que ça veut dire, subuhat? Comment on dit dhulumat en français? Ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est ténèbres sur ténèbres sur ténèbres. Dhulma ala dhulma, c'est ça. Subuhat. Nour ala nour ala nour ala nour ala nour. Vous ne pouvez pas regarder le soleil, rien que le soleil, vous ne pouvez pas regarder. Si vous regardez le soleil, vous brûlez la rétine. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lumière sur lumière sur lumière sur lumière. Tu ne peux pas le voir. C'est ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète est allé à cet endroit, il a vu Jannat al-Ma'wa, qui était caché par Sidrat al-Muntaha. Il a vu des choses extraordinaires. On vous dit, dans l'explication des ayats, que le prophète est resté dans l'humilité. Et quand il est revenu sur terre, toute cette terre pour lui, zéro. Elle ne valait plus rien. Il a vu. Son but, quand il est arrivé sur terre, quand il est redescendu sur terre, c'était quoi? Non pas d'amasser les richesses, non. Pourquoi les richesses, c'est Allah, sont... C'est de sauver l'humanité. C'est quelqu'un qui ne sait pas, en fait. On est comme des enfants avec les parents, vous voyez? Les parents te disent, fais pas ça. Pourquoi? C'est pas bon pour toi. Le papa, il sait pourquoi. La maman, il sait pourquoi. Mais... Vous voyez, quand la lumière, elle brille, l'enfant, il veut mettre le feu, il brûle, l'enfant, il veut mettre la main. Et sa mère, elle le frappe. Sa mère, elle le frappe, mais pas la main sur le feu. Pourquoi? Tu vas te brûler. C'est exactement ce que fait Allah avec nous. Des fois, on va sur un mauvais chemin, Allah, il te frappe. On appelle ça la tamat rahma. Ibn al-Qayyim, il appelle ça les petits coups de rahma, de miséricorde. Allah, il te donne une petite épreuve pour que tu reviennes sur le chemin. Vous voyez, le Coran, c'est ça. Le Coran, c'est, il te donne une conception de vie qui est complètement différente de ce que pense celui qui n'a pas de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu une fois fi laylatil qadr.
Ok. Alors, ça veut dire quoi, le qadr? Al-Qadr. Dans la nuit de la destinée. Ouais, c'est faux, hein, la traduction. Elle est fausse. Hein. Al-Qadr, effectivement, ça peut vouloir dire la destinée. Mais en fait, certains savants donnent une autre explication. Ils disent que le qadr, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Amma man qudira alayhi rizquh » dans sourate Al-Fajr. « Mal insanu idha mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'ama faayakulu wa man idha mabtalahu faqadara alayhi rizquh » Qadara rizq, vous savez ce que ça veut dire qadara ? Dayaq. Il a rétréci le rizq. Et en fait, l'ilat al-qadr, on peut dire que le qadr ici, c'est l'espace est rétréci sur terre. Il y a tellement d'anges cette nuit-là qu'il n'y a plus d'espace sur terre. L'espace, Qoddir. Ça, c'est une autre explication de l'ilat al-qadr. On dit aussi, et Nawawi dit, il dit aussi que c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala il descend le qadr, ce qui a été qadr, pour l'année à venir. Ce que chaque être humain il va avoir pour l'année à venir. Alors, al-qadha ou al-qadr? Al-qadha, c'est un jugement. Non, astaghfirullah. Al-qadr, c'est un jugement. Al-qadha, c'est l'application du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala qadr que Fulan, il va faire ça, ça, ça. Et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a qadr, hein, il y a des choses qui sont peut-être pas bien. Si tu fais le dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ne pas appliquer ce qu'il a qadr. Mais ça, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Apparemment, il y a un séminaire sur ça, inshallah. Je vous laisse avec le frère. Ok, on arrête? Hein? On arrête? Ok. Attends, je regarde juste le slide d'après. Tanzil. Ok, on va revenir sur Tanzil tout à l'heure, inshallah. Merci à vous. À tout à l'heure, inshallah.